Alors, moi, j'ai prévu un jeu. Bon, c'est sans filet, là, vraiment. C'est sans filtre. Nickel. Du coup, j'espère que ça va bien se passer. C'est un jeu d'acting comme vous avez joué dans... Moi, je te sens super confiant, moi. Ah, mais à mort, là, je suis au max. Vous avez joué dans beaucoup de pièces de théâtre et tout. On va voir si vous jouez bien la comédie. Je suis une bonne comédienne. C'est ça. Merde. Vous allez répondre en fonction de ce qui va s'afficher sur l'écran. D'accord. Alors, on commence tout de suite avec la première question. Voilà, basique pour commencer. Ça s'est bien passé quand vous êtes arrivé? Ouais, c'était vraiment génial et c'est des moments de vie que je retrouverai plus, quoi, se faire maquiller comme ça par des jeunes, c'est la vie. Les gens vont croire qu'on a maquillé Lola. Non, c'est pas vous. Hein. Est-ce que vous êtes contente d'être là, sur le plateau avec Matt, Yannick et moi-même? Honnêtement, je suis folle de joie, quoi. Je sais même pas comment exprimer ce que je ressens. Ça me prend. Enfin, voilà, c'est ouf. C'est ouf, c'est juste ouf, quoi. Je suis là, je suis avec vous. Et c'est énorme, putain. C'est incroyable. Alors, est-ce que vous avez fait les cours Florent, comme l'a dit Matt? J'adore. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que vous avez appris au cours Florent? Bah, écoute, les cours Florent, ça m'a appris à jouer. Donc voilà, quoi, ça m'a appris à pas avoir peur, quoi, d'affronter mon métier, ce que je suis, et d'avoir du talent, quoi, tout simplement. Ah, j'adore. Voilà, vous avez rencontré votre mari au théâtre, comme l'a si bien dit Matt. Alors, comment s'est passée la rencontre? On a envie de savoir. Ah, oh. Vous faites... Est-ce qu'on va pouvoir couper tout ça? Vous faites des vidéos sur Facebook. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes qui font des vidéos, comme Matt par exemple? Ah bah moi, les jeunes qui font des vidéos, c'est un truc qui me plaît énormément. Et je pense que ça développe un charme. Il transpire, Matt. Ah, j'ai chaud là. En fait, ça me met dans un état un peu second. Ah oui, d'accord. Là, une petite lumière, ça aurait été top. Hein. Qu'est-ce que ça fait de tourner avec Jean-Pierre Mocky, parce que vous avez tourné avec lui. Les gars, c'est quand même un grand réalisateur. Il a tourné avec les plus grands. Jean-Pierre Mocky, mon Jean-Pierre que j'embrasse et que j'aime de tout mon cœur. Écoute, c'est un délire de tourner avec lui parce que c'est un mec qui a pas le temps. Donc il dit moteur toutes les deux secondes. Ouais. Et il a trouvé le perchman parce que c'est une question que tout le monde se pose. Ouais. Il a une bonne équipe avec lui. Et je veux dire, faut en avoir une sacrée paire dans le slibard pour pas avoir peur de ses directives parce qu'il est assez directif. Mais ouais. Moi j'adore, ça me booste. Et moi je suis comme lui, j'aime les choses qui vont vite. Tu vois par exemple trois cons comme vous qui. Alors on finit avec le dernier. Vous avez eu des jumeaux. Alors commencez au quotidien des jumeaux. Ça doit pas être évident quand même, des jumeaux. Ah, mais j'ai même pas besoin de le jouer là. J'ai rien à jouer là. Je suis émerveillée. J'ai deux enfants de 3 ans, magnifiques, un garçon et une fille, qui s'éclatent entre eux, qui ont un caractère de star déjà. Ouais. Elle, quand elle a pas envie, elle me dit maman, laisse-moi, j'ai envie d'être seule. Je lui dis d'accord, mais t'as 3 ans quand même, donc à un moment, faut que je te donne le bain, quoi, tu vois. Mais c'est un émerveillement, j'ai rien à jouer, je suis la femme la plus heureuse du monde. Bah merci beaucoup. Merci Ryan, merci beaucoup Lola pour vos réponses très sincères et très bien jouées.